Madame la directrice technique, Monsieur le proviseur du collège, Monsieur le directeur de l'élémentaire, Madame la directrice du préscolaire, chers inspecteurs, chers enseignants, Monsieur le président de l'APE, chers parents, chers élèves, nous sommes sensibles à l'honneur que vous nous avez fait de la cérémonie de remise des attestations de la 5e promotion de votre établissement. Cet honneur est une source de réconfort. Il démontre que vous n'êtes point indifférent à tous les efforts que déploient les formateurs pour assurer à vos stagiaires une formation de qualité. Cette profession exige beaucoup d'abnégation, de sacrifices, de rigueur. Il s'agit d'un métier qui nous poursuit jusqu'à la maison, à l'instar des professions médicales et sécuritaires. L'enseignant doit toujours avoir l'attention en éveil et la curiosité en bonne lumière, car une science sûre n'exclut pas une perpétuelle remise en question. Gage de perfectionnement est le progrès. Peu d'enseignants disposent de ce qu'on appelle dans l'administration les avantages en nature, à savoir une voiture de service, la dotation en carburant ou encore le froid de terrain ou les distinctions honorifiques. L'éminent professeur Ibadir Thiam a l'habitude de dire que l'enseignant a épousé la pauvreté. Nous ne savons pas d'où il a tiré cette citation qui ne manque pas de pertinence, mais nous y ajouterons que l'enseignant a sa richesse. Cette richesse, c'est son indépendance d'esprit. Il s'agit là d'un trésor inestimable qui lui permet de s'exprimer avec fierté, courage, courage et sincérité devant n'importe quelle autorité, que celle-ci se nomme chef d'État, calife général d'une confrérie, ministre ou autre, comme le fit le vénérable Cheikh Ahmadou Baba, face aux menaces et intimidations de l'autorité coloniale à la veille de sa seconde déportation en Mauritanie. Lettre du 3 juin 1903. Je cite, « Je te fais savoir que je n'écris jamais quelque chose, ni ne le parle, sans qu'il ne me soit venu du fond de mon cœur. » Citation. C'est peut-être cette sincérité qui rend les enseignants si contestataires. Ce moment de joie est intense. Mais il ne s'agit que d'une étape dans la vie. Le diplôme est certes important, mais il ne s'agit que d'un outil. Et plus important est ce que l'on sacrifie avec l'outil. Nous quittons la vie du groupe scolaire Étienne et Monique pour aller affronter d'autres vies. Celle-ci est fortement semée d'embûches, surtout en ces temps de matérialisme débridé, comme le souligne si bien le philosophe français Régis Debray. Je cite, « Pour la première fois dans l'histoire de notre civilisation, l'homme exemplaire n'est plus un homme désintéressé. La notoriété s'est totalement indexée sur le niveau de la richesse. L'échelle des revenus est devenue l'échelle des valeurs. Vous songez maintenant à nous insérer dans la vie professionnelle, pour ne pas dire la vie tout court. Celle-ci exige une éthique, des qualités. Le savoir acquis à l'université doit reposer sur des valeurs, pour reprendre les propos de Léon Tolstoï. De toutes les sciences que l'homme peut et doit savoir, la principale, c'est la science de vivre
de manière à faire le moins de mal et le plus de bien possible. C'est de pareilles valeurs qui vous assureront le succès dans la vie. Une certaine qualité comportementale est indispensable, comme le disait si bien le doyen René Savachier. Je cite. Les générations qui montent ont cessé d'une manière irréversible de respecter, à travers les hommes, les fonctions qu'ils remplissent, à moins que ces hommes ne sachent faire respecter en leur personne même les fonctions qu'on leur confie. Bonne ou mauvaise, cette évanescence de respect préconstitué doit être tenue pour un fait. Un très grand merci au groupe scolaire Étienne et Monique qui nous a ouvert ses portes, mais aussi un immense remerciement à tous nos formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour nous donner une formation de qualité. Merci à nos très chers parents qui nous ont soutenus durant toute cette formation et à tout le monde ici présent. Merci.